Et bonjour à tous, c'est Titreza. Vidéo manga, vous l'avez vu, petite présentation, ça y est, tous les mangas sont positionnés au même endroit. Ils sont pas encore tous dans ce type de meubles blancs, mais ça arrivera bien un jour. Donc, aujourd'hui, je vais savoir combien j'en ai. Alors, sachant que je vais compter les doubles, s'il y a des mangas ici qui sont posés sur le dessus, c'est que ça peut être des doubles. Je vais les compter, parce que ça fait partie des mangas que j'ai. Même si ce sont des doubles, ça représente même moins de 10 exemplaires en tout. Donc, dans ce meuble blanc, ce type de meuble, j'avais dit dans une précédente vidéo que je pouvais ranger jusqu'à 240, un peu plus si j'en mets sur les tranches, mais il y a quelques trous et quelques espaces, donc on va dire que c'est 240. Avec ce qu'il y a plus loin, sur les étagères noires, j'ai largement de quoi faire. Trois étagères blanches comme ça, donc il y en a déjà deux qui sont pleines. Je peux largement en remplir une troisième, donc 240, 240, plus 240 encore. La question c'est, combien est-ce qu'il me reste après? Est-ce que je suis à environ 750, ou est-ce que j'ai dépassé les 750? C'est ce que je pense, mais est-ce que j'ai atteint les 1000? Donc j'ai mon petit carnet, je vais lister les numéros que j'ai de chaque série, et puis après je ferai le compte en vidéo, pour savoir à combien d'exemplaires je suis. Alors, le chiffre de 1000, il est symbolique. J'ai pas un objectif précis du tout. Mais au moins, en sachant combien j'en ai, combien de séries que j'ai, ça me permettra peut-être de savoir où est-ce que j'en suis, même si je vois à peu près. Mais le nombre de mangas que j'ai, je ne sais pas du tout. Et là, a priori, dans la maison actuellement, là, j'ai réussi à tous les réunir, il n'y en a pas ailleurs. Donc voilà, je vais faire le décompte tout de suite. Yeah. Les mangas sont tous comptabilisés. Je connais donc la totalité. Je vais vous faire le petit listing de chaque manga. Alors, je l'ai fait par série. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, Gun, je vais vous donner un chiffre de manga, un nombre. Ça va comprendre Gun et Gun Last Order. Il y aura un chiffre global pour la série Gun. Et j'ai fait ça pour toutes les séries qui ont des... Tous les mangas qui ont plusieurs séries. Donc c'est parti. 61 Hokuto no Ken, Ken le survivant. 61, ça peut peut-être paraître beaucoup, mais c'est parce que j'ai depuis longtemps l'intégrale en japonais et aussi en français. Plus quelques numéros, la légende de Rao, la légende de Toki, la légende de Rei aussi, je crois. Donc tout ça, ça fait 61 Hokuto no Ken, 11 Kimengumi. Kimengumi, c'est le collège foufoufou. Est-ce que je vous les montre à chaque fois, les mangas? Est-ce que je vous montre à chaque fois un exemplaire? Non, peut-être pas. 11 Kimengumi, 20 Angel Sanctuary, 29 Prince du Tennis, 42 Yu-Gi-Oh, 60, on commence à ça augmente, 60, c'est... Alors il y a 3 séries où je sais que j'ai beaucoup plus de mangas que les autres. Les Captain Tsubasa, les Saint Seiya et les Jojo Bizarre Adventure. Et je ne savais pas dans quelle série je l'avais le plus. Donc, c'est pas Captain Tsubasa, parce que 60, c'est Captain Tsubasa. Ensuite, 12, Death Note. 6, Gantz. 30, Eureka. 17, Baki. 16, Berserk. 9, etc. Etc, c'est un petit manga... Je vous le conseille. Bon, c'est pas une histoire, c'est pas, ça va pas vous retourner comme histoire. Mais c'est pas connu du tout. C'est ça. Etc. Alors, on reprend. 5 Ashita no Joe. Ça, peut-être je vais continuer Ashita no Joe. C'est très, très, très bien. C'est un du. Le manga sur la boxe. Le plus connu, il a plusieurs, je ne sais plus le nom de cet autre manga très connu, mais Ashita no Joe, c'est vraiment le top. 29, Naruto. 8, Detroit Metal City. 19, GTO. 3, manga Castlevania. Ils sont juste là, je vais vous les montrer.
En fait, il y en a deux. Enfin, moi, j'en ai que deux, donc je pense que c'est parce qu'il n'y en a que deux de sortie. Manga Castlevania, il y a un supplément. Il y a un supplément offert. Le supplément, c'est un guide ici, un guide Castlevania, très 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 joli, qui nous montre la sortie, les différents jeux dans leur ordre d'apparition, avec un petit résumé des caractéristiques propres à chaque opus. Et j'en ai trois parce que quand j'ai lu ça, donc ça c'était offert avec le premier, j'ai voulu acheter le même, Roll Manga, mais cette fois-ci emballé, protégé, les deux ensemble, mais à neuf. J'ai voulu les avoir comme ça. Mais je ne sais pas, je ne sais pas si je les ai lus. J'ai pas trouvé ça génial. Ça, c'est le deuxième. Il y en a peut-être plus que deux, je n'en sais rien du tout. Et c'est Castlevania, il n'y a pas de sous-titre. Hein. Donc je ne sais pas si c'est trop l'histoire d'un des jeux. Bon, je vais essayer de ne pas trop m'arrêter parce que à chaque fois, je n'ai pas envie de perdre le fil. 3 Castlevania, ça s'est fait. 6 Fate Stay Night. 3 Kelsin le Vagabond. C'est les grands, les volumes de luxe. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. 5 Family Compo. Pareil, c'est les grands. 3 Kamen Teacher. 14 Hikaru no Go. Très bon manga. Hikaru no Go. Ils appartiennent à mon frère. Et si je peux essayer de compléter ce qui me manque un jour, bon, il y a sûrement une autre édition que celle-ci. Hein. La plupart des mangas que j'ai, c'est à chaque fois la première édition. Mais Hikaru no Go est sûrement une édition plus récente que celle-ci, qui est la Tonkam. Après Hikaru no Go, il y a 12 Gunsmith Cats, j'aime beaucoup aussi. 5 Flag Fighters, c'est pas très connu. 2 Versailles Nobara, c'est que 2 mangas Versailles Nobara, c'est Lady Oscar. Mais je vous les montre parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Ils sont volumineux, ils sont gros comme des bouquins. Voilà, ça c'est le volume 1. C'est énorme comparé à un petit Naruto, vous voyez. C'est. Versailles Nobara, c'est passionnant, Versailles Nobara. Ça raconte pas que juste l'histoire du personnage, ça raconte la vie de la royauté française avant la prise de la Bastille, c'est passionnant. Versailles Nobara, donc 2. 17 Gun, donc comme j'ai dit, Gun plus la Standard. Et il y a une troisième série, c'est Mars Chronicle, je crois. J'ai vu ça dans un commentaire d'une vidéo, mais je sais pas de quoi ça parle, j'en ai pas. Le Last Order, d'ailleurs, j'ai pas suivi assidûment, donc j'ai pas tout. Ensuite, 3 Détectives Conan, et j'en ai que 3, et mon frère les collectionnait, il s'est arrêté au bout d'un moment. Détective Conan, ça ne va jamais finir. 2 Fly, c'est un grand regard, j'aimerais bien en avoir plus. Pourtant, j'ai lu l'intégralité de Fly plusieurs fois, grâce à un copain qui avait toute la série, et j'adore les lire, les Fly, j'aimerais bien les avoir tous, un peu. Un manga Breath of Fire 4, bon ça c'est une curiosité. Un manga La Plume de Feu, c'est l'histoire d'un manga 4, très très drôle. Un manga BTX, par Masami Kurumada, le Senseiya, l'auteur et dessinateur. Un volume de Ping Pong Dash, 13 Tekken Shinmi. Je vais peut-être en détail sur quelques mangas plus tard, je vais arrêter de m'arrêter, oui c'est français ça. Mais c'est pas très joli. Donc je vais juste lister maintenant. Donc 29 Shaman King, 4 Ral Blue Dragon, ou Blue Dragon Ral, je ne sais pas trop, 1 Noritaka, 3 Toriko, 2 Kyo, 2 Yu Yu Hakusho, 77, alors là, chiffre important, 77, on l'a vu qu'il y avait, c'était pas Captain Tsubasa, 77 c'est le nombre de mangas le plus important de ma collection, sur la même série. C'est Jojo Bizarre Adventure. Donc c'est le plus grand, donc Saint Seiya, on verra après, il y en a moins. Donc 8 One Punch Man, 71 c'est Saint Seiya. Donc moins que Jojo Bizarre Adventure, mais plus que Captain Tsubasa. 19 One Piece, 6 Beat. Alors Beat, je le vois là-bas, il y a un sous-titre. Beat, The...
Si vous voyez pas ce que c'est. Voilà, je clique Beat the Vandal Buster. C'est un dessinateur ou un auteur connu, un mangaka connu, parce qu'il a fait d'autres choses plus connues que ça. Donc ça, c'était Beat. Ensuite, 13 Dragon Ball. Donc j'ai que des Dragon Ball en manga, à part Super. Le manga Dragon Ball, c'est le nom de tout le manga jusqu'à la fin de Boo. C'est en série animée qu'il y a un nom qui a rajouté le Z. 28 Step Up Love Story. 4 Shin Angel. 2 ZY. 1 Shadow Lady. 1 Jeu de Demoiselle. 1 War Angels. 1 Nora. 1 Albator. 1 Devilman. 1 Zelda Majora Mask. 1 Card Captor Sakura. 1 Psychométreur Reggie. 2 Video Girl High. 1 Short Programme. Il y en a beaucoup des 1. 1 L'île de Ozuri. 1 Host Club. 1 Tsubasa Reservoir Chronicle. 2 Eyes. Très populaire Eyes. Peut-être moins maintenant, mais à l'époque c'était très 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 populaire. 2 Please Save My Earth. J'ai écrit Earth comme terre, mais c'est le cœur. Bon, je sais pas trop. 1 Rave. 1 Hyper Baby. C'est un manga qui est à mon frère et c'est tout en japonais. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu. 13 Daemons. Très, très sympa, Daemons. 10 Blackjack. Et 1 Ranerock. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Tout ça j'ai fait. Donc ce qui nous fait en tout 780 mangas. Donc je me doutais que j'en avais plus que de 750. Mais j'aurais dit comme ça que j'étais plus proche des 1000 que des 750. Mais non, 780 mangas. Bon, je vais ranger ceux qui ne sont pas à leur place, au lieu de les ranger. Je ferai d'autres vidéos manga pour parler un petit peu de ceux que je recherche, de ceux que j'aime le plus, etc. Ça c'est du Naruto et j'ai un gros trou. En même temps je cherche pas forcément à les compléter et j'ai pas réglé jusqu'à la fin. J'ai un trou entre le 17 et le 35, c'est pas mal. Bon, voilà c'est fini. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.